cosplay sur Monster Hunter 3 Ultimate. Donc bon, au dernier épisode on a fait le Gobul. Et donc on avait commencé les quêtes du palier 4 avec la chasse au baggy et voilà, chasse au baggy. Donc là on va y mettre la barre très haut directement, on va se faire le Lagombi. Voir ce que c'est, je me souviens plus exactement de ce que c'est comme monstre. Allez, c'est parti. Alors, ouais, on va prendre notre carte. Hop, on va tout prendre. Ah, j'ai plus de place. Ça, c'est mortel. Franchement, ouais, il devrait quand même essayer d'augmenter l'inventaire parce que franchement, l'inventaire de deux places, quoi, c'est pas top. Chaud. Non. Voilà. C'est des mammouths. Non mais oh. Après l'ours, on a le pingouin lapin. Je vais te casser la tête. Oh, il fait de la glissade. Moi j'ai pas envie de faire en blague quand même. Ce serait trop bête. Par tiens, juste quand tu vas faire ton coup. Merci Chacha. Cette petite bonus de vie. Allez, fais ton bon. Ah, je kiffe trop ce monstre, il fait des trucs bizarres. Allez, on va mettre plus à loot. Hop. L'arme de bête. Alors. Ah. Un peu mal, fait un petit peu mal, je me fais un petit peu mal. Allez, buvons. Arrête de mettre des coups de fesses là. Faut que je te marque.
Je suis derrière. Ah, je crois qu'il y a pas content. Oh oh. Ah, il fait même pas un... Ouf. Non? J'ai plus qu'une potion. Trop mal. On peut passer par là. Un petit peu d'herbe, ça coûte moins cher qu'une potion. De toute façon. Allez hop. Voilà. Mais casse-toi. Tomber là. Allez meurt. Dommage. Ah, elle est déjà partie. J'ai l'impression qu'il a légèrement fait le coup. Allez, explose! Tiens. Allez, refais-moi un petit peu. Allez. Tourne. Bien tourné. J'ai d'abord aiguisé. Il m'a fait moins mal ce coup-ci quand même. Hein. Une fois qu'on commence à comprendre ses attaques. Ça passe. Allez, regarde les bouts. Tiens, explose. Oh. Ah, il m'a eu. Ah, il m'a eu. Ça fait mal cette attaque.
Devine qui est là. Et quand je suis à côté, tu m'as fait mal. On va à zone 5, hein. Il fuit loin le gros porc là. Il me met toujours son glaçon de merde. Arrête de mettre ton glaçon en mousse là. J'aime pas cette attaque, franchement, c'est la pire de ce monstre. Je crois qu'il va me tuer là si je me prends son attaque. J'ai bien peur qu'il me tue. Puis il y a des sortes de trucs bizarres qui se baladent derrière. Oh là, te rapproche pas plus. Ah, parfait, tu me touches pas. Vas-y, approche, approche, approche. Oh là 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 là. Non. Ouais, je pouvais passer de ce côté. Tu ne me toucheras point. Allez, tu vas bien finir par mourir de toute façon. Ouais, on l'a eu. Bon, ça a mis un petit peu de temps quand même, hein. On a un peu, on n'a pas galéré, mais on a mis un peu de temps. Bon, allez, on va récolter. Plastron Lagombi. Po Lagombi. Récolter combien de fois dedans? 3 fois. Plastron Lagombi. Bon, ça va, on l'a pas trop mal réussi. Herbe. Allez, on va un petit cristal de glace, ça me plairait. Oh oui, parfait. Bien cru. Ah, deux cristals glacés, c'est bon, on peut améliorer notre arme. Parfait, parfait. On peut améliorer notre arme. Ça, c'est cool, ça. Alors, voyons voir ce qu'on a réussi à avoir dans notre. Qu'est-ce qu'on a comme prime alors? Les oreilles de Lagombi, osmos moyen, peau, plastron, peau, cristal glacé. Cool. Trois cristaux glacés. Trois cristaux glacés. Miracle sur glace. Ouais, c'est un lapin pingouin, ou un pingouin tout court. Mais un pingouin qui ressemble à un lapin. Alors voyons voir après ce qu'il y aura comme monstre. D'abord je vais aller voir l'artisan. Alors création d'armes.
Non, y a pas de nouvelles, pas de nouvelles. Alors on améliore. Hop. C'est pas lui. Ah, c'est lui. Un beau katana dans le. Ah, parfait. On va dire que faire de plus quoi. Non, un katana complètement dans le vert. Alors. Foudre insecte, cristal de lumière, épée vrogui, poison, foudre, poison ou foudre. Le choix est difficile quand même. Pour le même dégât. Chaque foudre est mieux. Mais poison, c'est plus facile à avoir. On verra plus tard. Je vais garder le katana accroché. Alors, venez approcher, je vous regarde. Oui, vous êtes prêt. Ouais, nouvelle, le Lagiacrus a été repéré dans les Omoga, vous savez ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas, je sais déjà que vous serez à la hauteur. Je parie que vous êtes le plus fort que lui. Maintenant, écoutez, l'Ajacrus a des organes dorsaux spéciaux dont il se sert pour conduire de l'électricité. Méfiez-vous-en, plus il génère de l'électricité, plus il brille. À ce qu'on dit, c'est beau à voir, il brille tellement que les marins ont cru que c'était un éclair. Le problème, c'est que la plupart des marins sont morts à 100% parce qu'ils ne se sont pas enfuis. Quand ses organes sont chargés, l'Ajacrus libère toute l'électricité et en une attaque brutale et mortelle. Plus c'est beau, plus vous devez vous en méfier. Un peu comme ma première copine, maintenant que j'y pense. Bref, méfiez-vous-en. Attention, voilà, c'est dit, maintenant, vous ne l'oublierez pas. S'il y avait un moyen d'empêcher de se recharger, vous auriez une chance de vous battre. J'ai dit une chance de vous battre, je voulais dire le battre. Ça va aller. C'est marrant. Et il a accepté d'en faire une quête officielle, alors passez au comptoir de quête quand vous serez prêt. Alors, je sais que j'ai tendance à faire le pitre, mais là, ce que je voulais dire est très sérieux. Ça attire votre attention, alors je parie que vous me demandez ce qui se passe. En fait, je parie que vous vous demandez si je suis capable d'avoir une conversation d'adulte. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Et de retour, le Lajacrus, le seigneur des mers en personne. Rappelez-vous-en, la première fois que j'en avais vu un, quand vous avez commencé les quêtes, cette boule à l'estomac, considérant que j'ai été votre meilleur ami tout au long de votre carrière de chasseur, je crois pouvoir dire que vous êtes de loin le meilleur chasseur que celui qui a fui devant le Lajacrus il y a si longtemps. Vous êtes un chasseur expérimenté, il est temps de faire ce pourquoi vous êtes venu et de sauver le village Moga. Oh, si c'est trop difficile de le tuer, contentez-vous de le repousser, ça suffira. Si vous l'effrayez suffisamment, je suis sûr qu'il ne reviendra pas. Votre braguette est ouverte. Ah, je vous ai vraiment schizophrène. Bon. On va faire ça. On va la faire, hein. Je vous promets qu'on va la faire. Il nous reste 25-30 minutes à perdre à la GEC. Intéressant. Alors, on va déjà poser tous nos objets parce que quand même, on est un peu plein. Cristaux glacés, minerai de fer. Hop, tout ça. Ça sert à rien. Il faudrait peut-être une meilleure armure, je pense. Mais bon, là, on n'a pas mieux de toute façon. L'équipement, je pense que le katana c'est trop mal. Que déjà que dans l'eau, limite il nous faudrait peut-être une petite épée, mais je suis pas trop puissant avec ça. Faire des potions pourrait être pas mal. Combiner, hop. C'est là l'herbe. 95% de réussite. On va voir déjà si j'échoue une fois. Eh ben non. Ouah. Alors, hop. La potion avec le miel. Ah, 90% de réussite quand même. Voilà, on va s'arrêter à 10. Et on va prendre plein d'objets justement pour se régénérer, etc. On va bien se préparer pour faire le Lagiacrus. Alors, 6 potions, ça devrait peut-être aller. Au pire, on doit pouvoir avoir. Ouais. Au pire, j'en ai sur moi, donc je vais pouvoir combiner des objets sur moi. Alors, les champis, hop, 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 et voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut.
Alors je garantis pas notre survie quand même. Dans la broche BBQ qui sert à rien. Ça sert. Breuvage chaud, breuvage frais. Hop. Bombe tronc sert pas. Pioche en fer ne sert pas. Voilà. Ça, on a deux inventaires de libre pour acheter ensuite ce que je voulais acheter. Donc un moyen de. Alors, déjà des herbes. Ensuite, ça. Ensuite, non, ça. Je me souviens plus comment qu'on fait les pièges à choc. Bon, déjà, il me faudrait ça x2. Je crois que c'est foudre insecte qu'il faut. Ou quelque chose dans le genre. On verra ça plus tard. On va déjà se faire la quête. L'essayer déjà. Parce que. Franchement. Réussite. Le dragon des mers. L'Ajacrus. C'est le moment de vérité. L'effroyable Ajacrus est sorti de la mer. On l'a repéré dans la zone 5 de la carte. Comme vous le savez, l'Ajacrus est méchant. J'aurais pu m'en occuper quand j'avais votre âge, bien sûr. Bref, vous avez beaucoup progressé. C'est l'occasion de briller. Oh, je vous envie tellement. Rassemblez vos forces et défiez l'Ajacrus. Faites en sorte que nous soyons fiers de vous. Merci, c'est gentil. J'ai pas du tout peur. Alors, hop, on va récupérer tout ce qu'il y a là. Flash bombe, mini bombe oxygène inutile et blessoire. Dans la zone 5. Ah, dans la zone 5, carrément. Il y va le mec. Déjà, ça va être pour ça fait peur. Ce n'est pas moi. Heureusement qu'on a fait un nouveau katana bien tranchant. Pas du tout. Donc il est TP. Ça faut que je l'esquive, ça. Fait peur. Qu'est-ce qui fait mal ce monstre?
J'ai à peine le temps de me le relever, puis il est sur moi. Ça fait divers. Longtemps, c'est cool. Plus qu'à ce qu'ils montent le but. Il s'enfuit, con. Le lager, franchement, il fait peur. Est-ce que j'ai bien pouvoir le mettre? Ça, je peux peut-être. Oh, quoique, je peux peut-être essayer de faire ça. Je crois que j'ai fait. Malheureusement. Oui, que je recharge ma barre pour pouvoir te mettre un coup. Cours. Tiens, headshot. Non. Non, tu ne me touches pas. Non, pas touche. Je crois qu'il fuit. Va falloir que je me réaiguise mon tranchant. Ce serait pas trop mal. Voilà, c'est parti. Tranchant au maximum. Par contre, je vais perdre mon tranchant jaune, hein, c'est dommage. Vite, dépêchons-nous. Alors. Tiens. Non. Ah. Loupé.
Ah, il met patte. Oh là 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 là. Retourne-toi, va voir l'autre, va voir l'autre, va voir l'autre. Ah, potion. Ah mais t'es nul. C'était trop simple. Tuer la fuie. Fuyeur. Quoi la quête? Ouais d'accord, c'était repoussé. Bah caca. Je voulais le tuer moi. C'était trop facile. Bon bah voilà, comment être un héros au village alors que j'ai rien foutu quoi. Bon bah voilà, franchement je m'attendais à mieux, c'est dommage, très dommage qu'on n'ait pas eu à le tuer pour de bon. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Écailles, griffes. Os, monstre grand, sphère armure, sphère armure, sphère armure. Le sommeil du viverne a été ajouté à la galerie. N'empêche qu'on a eu chaud à un moment là. Pff, le dernier coup que je me suis pris, c'était violent. On voyait presque plus la vie. Très 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 violent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, chef? Petit, petit, vous avez réussi, vous avez vraiment réussi. Je savais que vous finiriez par repousser la jacque russe. Et heureusement, cette fois, j'avais raison. Le village aura enfin un peu de tranquillité. Vous ferez mieux de vous reposer et économiser vos forces. La bête vit encore, et c'est un problème. Quand ses blessures seront guéries, la jacque russe reviendra. Et un combat difficile vous attendra. Plus de gentil monsieur Léviathan, ça, non. Il reviendra avec toute sa force. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Vous avez largement le temps de vous entraîner. Vous préparez... Je vois que ça vous démange de finir ce que vous avez commencé, n'est-ce pas l'essentiel? Oh, puisque vous respirez encore, le beauté du comptoir de quête vous a concocté de nouvelles missions. Waouh, vous avez réussi, vous avez chassé ce maudit Lajacrus de la région. Il a fui parce qu'il s'était, il savait qu'il était cuit et que ses écailles étaient grillées quand on l'a et qu'on lui a damé le pion. Bien joué. Vous avez pas l'air ravi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas content de ne pas avoir vaincu le monstre géant? Tu m'étonnes que je suis pas content, c'était pas marrant. Vous avez aimé le tuer? Vous dites que vous êtes ici pour mettre un terme au séisme, définitivement vous êtes coréen, j'espère que je ne finirai jamais sur votre liste d'ennemis. Ok, d'accord, vous ne voulez pas abandonner la partie, alors moi non plus. Je vous présente une nouvelle chasse de ce monstre. Cette fois, votre cible, c'est la reine de la terre, Dame Ratian. Concernant ses forces et faiblesses, j'en ai aucune idée. Vous me demandez déjà si la guilde connaît une légende au sujet de ce monstre? Eh bien, essayez. À cause des séismes, la guilde a déclaré cette zone dangereuse. C'est dur d'avoir des infos par les voies habituelles. Et pourquoi est-ce que ça a l'air de me faire plaisir? Eh bien. D'accord. Complètement schizophrène. Oh, c'était même pas une vraie. Alors, on a gagné plein de quêtes là. Venin progressif, le Giginox. Et Dame Dragon, le Ratchan. Non, une ration. Ouais. Donc la ration. Donc là, je vois qu'il nous reste 10 minutes. On va se faire... un chef des glaces, je pense. Pendant ce temps-là, je vais quand même voir ce qu'on a avec nos nouveaux... nouveaux équipes... Nouveaux, nouvelles ressources. Épée cataclysme. Pélagia. Ouais. Jumier la cruse, morphouache, ah, pas plus d'infos. Ouais, jumier la cruse, grande épée, ouais,
Il me semblait que ça l'avait déjà de toute façon. Allez, c'est parti pour la quête du grand Baggy. Alors, chef des classes, grand Baggy. On devrait pouvoir réussir ça en 15 minutes. Allez. Après la quête épique du Lagiacrus, que je pensais beaucoup plus longue. Dire qu'on s'était préparé pour rien. Bon bah alors ce sera pour le prochain. Breuvage d'énergie. Ah c'est parfait ça le breuvage d'énergie. Sans souffle. Où est-ce qu'on va voir la cinématique? Bon bah alors ce qu'on voit, il peut endormir l'ennemi, c'est cool. Cette esquive. Aïe. Allez, je Allez, go. Tu me touches pas avec ton truc là. Encore une fois. Rouge. Quand même.
commencer à prendre des trucs à manger. Hop, premier soin. Tant qu'on voit où est-ce qu'il part, ça me va. Allez. Go! Perdre notre tranche en rouge, c'est ça. Wake up, stand up. Hop. Meurs. Ah, il m'a endormi. Tiens, je voulais pas me prendre. Voilà. Ah ah ah. T'as une clap. Allez, on va se boire une pour sûr de pas mourir. Puis, on va s'aiguiser un truc. Hop, allez, c'est fait. J'ai en plus 6 boîtes. Ah. Zut. Je crois que c'est en zone 7. Ah bah non, le 2. J'ai plus avoir trop de vie. Je vais me toucher là, je vais mourir. Ah donc toi en bail. Touche-moi. Sauve-moi, Chacha! Mais non, je vais me faire toucher juste derrière. Voilà. Non, voilà. Coup dans la tête. T'es mort. J'espère qu'on aura le temps de récolter. C'est tous ces autres bolos là qui. Tous les autres petits machins qui traînent à côté pour m'embêter. Cuir grand baggy, cool. Peut-être avoir la crête d'ailleurs. Poche somnifère, un deuxième. Et il l'a défoncé. Bon. J'ai dû utiliser le méga potion malheureusement. Quête success. On est dans les temps, c'est parfait. Alors, cuir grand baggy cuir, poche somnifère, petite cocosse, poche somnifère. Et voilà, on se fait plein d'argent, on est riche. On sauvegarde. Voilà. Alors on va voir ce qu'il y a quand même encore comme quête à découvrir avant de
Moi, je pense de toute façon, prochaine quête qu'on va faire, ça va être l'Aratian. Alors, il y a l'Aratian en grosse quête. L'Aratian et le Giginox. Et après, si on est vraiment chaud, on se fera le Baross plus le Grand Jaggi. Voilà. Je regarde les autres. Après, ici, il y en a pas mal aussi. Il y a le Rififi toxique, la quête Rififi toxique, donc un Vrogui. Qui peut être sympa aussi. Voilà, donc l'épisode 7 donc se termine ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Que ce qu'on a fait là dans l'épisode, ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, qui sera épisode 8. Voilà, à bientôt.